spoil, c'est... Mortal, t'es ban. Mortal, t'es ban. Mortal, t'es ban. Il te réacte. 50 youtubeurs se battent pour 1 million de dollars. Les gars, qu'est-ce que vous faites avec 1 million de dollars? Honnêtement, moi, je pense que je vais chez les... J'ai réuni 50 des plus gros youtubeurs du monde entier. Celui qui reste le plus longtemps dans ce cube remportera 1 million de dollars pour ses abonnés. Une première dans l'histoire de YouTube. Waouh ! Waouh ! Un deuxième français, les gars ! Waouh ! Au total, c'est près d'un milliard. Je veux pas, Mixem. Faut que je cherche une calvitie, les gars. Une calvitie. Y'a pas de calvitie, je crois. Non, y'a pas de calvitie. D'abonnés qui participent. Via leur youtubeur. J'ai pas pour vu la Mixem, les gars. 1 million de dollars. Les règles. 1 million de dollars. En fait, j'ai lu le titre, mais j'ai même pas fait gaffe, les gars. On peut gagner 1 million de dollars. Baisse un peu la caméra. On ferme la ligne. Et voilà. Si vous franchissez, vous perdez 1 million de dollars destinés à vos abonnés. Alors faites gaffe. Le dernier à partir remporte la somme. Je suis vraiment un connard, les gars. Il a tout expliqué et moi j'ai parlé pendant du début jusqu'à la fin. Franchement, ça me fait grave penser à la série Squid Game. On y est. On peut être éliminé à tout moment. Personne va se faire d'amis ici. Impossible. C'est à nous. Ce sont de vrais billets. C'est trop hâte. T'as enfin pu venir sur ma chaîne. La meilleure strat, c'est de pas trop se fatiguer et de toujours garder l'argent en tête. Les filles, vous seriez capables d'éliminer quelqu'un pour rester? Pour mes abonnés, évidemment. Les gars, Bella Porsche. Bella Porsche... Yeah. Bien sûr. Non, et ça va. Non, stop. Non. Hé, lâche-moi, toi. Tu sais que plus tu te fais d'ennemis, plus t'auras de chance de te faire éliminer. On se taquine tout juste. Ouais, t'inquiète. Attendez, les gars, ils ont le droit de prendre quelqu'un et de le balancer hors de la zone. Non, c'est grave bâtard, les gars, en vrai. Ok, il est parti se cacher et je crois pas qu'il ait pris ça à la rigolade. C'est chouette de tous les voir rigoler et s'amuser ensemble. À la fin de cette vidéo, l'ambiance sera plus la même. Cette vidéo est sans aucun doute la plus brutale. Je te hais, Jimmy. Et la plus cruelle de toutes celles dans lesquelles vous avez vu vos youtubeurs. Le premier défi commence maintenant. Ouvrez les rideaux. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Pourquoi il déteste là, frère? Pour ce premier défi, ils pourront temporairement sortir du cube pour tenter de marquer un panier. S'ils réussissent le tir, l'un de leurs abonnés se verra offrir un Cybertruck et ils pourront... Wesh. Il y a des mastu, il parle avec un des ricains. Les gars, wesh. 100 000 dollars restés dans la course. En revanche, s'ils ratent, l'abonné n'aura rien et ils seront éliminés. Wesh, c'est une dinguerie, les gars. Donc en gros, ils peuvent essayer de jouer le jeu et s'ils gagnent, ils gagnent une Tesla pour les abonnés. Et ils peuvent... Mais s'ils jouent le jeu et qu'ils mettent pas le panier, ils perdent tout. En vrai, les gars, honnêtement, j'y suis, je n'y vais pas. Ramener autant de Cybertruck. J'y arriverai jamais. C'est trop risqué. Je trouve ça hyper simple, pas toi? Ouais, trop facile. Jamais de la vie, je réussis à faire ça. Tout le monde était à l'affût et les gars, se demandait si le premier défi en valait la peine. Et c'est alors que Mark Rober a fait ceci. Jimmy! Cool! Je le fais! J'y crois pas. Je crois bien que t'as du public. Oh la vache, j'ai la pression. Voici ton abonné. Comment tu t'appelles? Mathieu. Le déçois pas, tu dois y arriver. Je crois en toi. À toi de jouer. Va-t-il faire gagner un Cybertruck à son plus grand fan, ou vont-ils tous les deux repartir d'ici? Allez mec, je te connais pas. Grosse merde. Grosse merde. Il est ban. Bannez-le moi, lui. En plus, ça se trouve... Il est sérieux là? Non. Il a tout perdu. Je suis désolé. C'est pas grave. Malgré ce terrible échec, Gideon a estimé qu'il pourrait peut-être faire mieux que Mark. Non mais c'est des fous, les gars. C'est pas possible, c'est scripté, c'est pas possible. Qui va le faire? Heureusement c'est pas les Français, hein. Il est trop naze. C'était quoi ça? T'as essayé? J'ai perdu un abonné. Je crois qu'il faut que je tente ma chance. Je suis un youtubeur basket. Si t'y vas, j'y vais aussi. Bah oui, faut que je passe après toi. Bon bah je vous suis.
Messieurs, voici vos abonnés. Compte sur vous. Je peux pas regarder ça, les gars. Jesser, est-ce que tu vas décevoir ton plus grand fan? Oui! Oui! Un Cybertruck gagné! 100 000 $ dans la... Ouais! Hey! Bien joué! C'est trop facile, c'est comment il rate. Mais t'es fou, ouais, Bourou, toi! Bien joué! Enfin, mais les gars... Il faut que j'y retourne. Merci, Jesser! Malheureusement, tout le monde n'a pas autant de chance. Et voilà, et du coup, 47. Les gars, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment bête. Ah, deux Cybertruck, ça fait 200 000 $ en moins sur le compte de Mister Beast. On va le rendre pauvre, les gars. J'ai réussi. Après la défaite cuisante de ces trois gros youtubeurs, personne d'autre ne voulait défi. Alors j'ai décidé de les laisser tranquillement. 8 blessés, 6 morts, je pète ma bière. On a affaire à un pro. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que tout le monde commence à s'ennuyer, au point de faire des trucs stupides. Il est complètement... Je sais pas pourquoi il fait ça, mais techniquement, il est pas dehors. Il a pas touché la ligne. Je vais vérifier les images. Alors? Non. Malheureusement, avant de pouvoir passer au prochain défi, un cinquième youtubeur doit encore être éliminé. Le deuxième défi commencera quand l'un d'entre vous partira. Au secours! Ah, les bâtards! Stop! Nickel. J'ai piqué quelques billets, mais est-ce que je peux garder ma veste? Bien sûr. Cool. Ok. Salut. Salut. Vous êtes plus que 45. Bon, après, les gars, pour lui, il a vraiment perdu un billet de 10 €, si je peux me permettre. Je vais préparer le deuxième défi, j'arrive. Ouais, j'ai se barrer avec 1 000 $, il a pas compris. Rassembler tous les vrais billets qu'ils ont éparpillés partout et les remettre dans le coffre. Oh la flèche. Mister Beast balaie son argent, cette scène est lunaire. Jimmy est littéralement en train de balayer son argent. Je sais pas quoi dire de plus. Maintenant que tout a été rangé, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième défi? Ouais. Super. Je vais vous demander de vous lever. Okay. Comme vous le voyez, il y a 9 colonnes comportant chacune 5 points. J'ai donc demandé à tout le monde de se séparer en groupe et de dire une personne qui fera office de capitaine. Qui bénéficiera de l'immunité pour ce prochain défi? Je vous en dis pas plus. Amusez-vous bien. On doit faire des groupes de 5. Les gars, ce serait incroyable qu'un Français arrive à faire top 1, les gars. Ok, super. On se met ensemble. On réfléchit à... Mais je pense qu'il y a que 3 Français contre... je sais pas combien d'Américains. Vous vous mettez ensemble? Ouais. Ok, qui est le capitaine? On n'a pas encore décidé. Bon, vous avez un capitaine? C'est Jack. Ils m'ont choisi. Marquez. Ok. On peut que lui faire confiance. C'est le youtubeur tech le plus fiable. Tu peux choisir à notre place? C'est à vous de décider, pas à moi. Bizarrement, l'espagnol, le gars, est pas avec des Français, hein. Bizarrement. Comment vous comptez faire? On va l'écouter. Ok. Ah, c'est bon. La team des Français est là-bas, les gars, y a Massu. Sketch, t'as confiance? Je lui fais entièrement confiance. Comme vous le voyez, mes hommes de main apportent des tables destinées à chacun des capitaines avec un élément qui va vous paraître familier. Oh non, je sais ce que c'est. Ouais, mets-toi de l'autre côté. Je veux voir tous les capitaines soulever cette serviette et révéler le prochain défi. Vous avez 4 biscuits. Ouais, c'est game. Vrai. J'ai trop peur. Chaque capitaine va devoir donner un biscuit à chacun des youtubeurs de son équipe. Vous allez lécher. Non, pas ça. S'ils le cassent, ils sont éliminés. Non. Et bien évidemment, mais ça, vous le savez déjà, le défi sera plus ou moins facile en fonction du biscuit qu'ils se verront attribuer. Ouais. Nico, c'est l'heure de la distribution. Oh. Pire jour de ma vie. Oh là là. Que donnes-tu à Sketch? Donne-lui le parapluie. Parapluie, c'est le pire, je crois, les gars. Oh le bâtard. Mais non, il est sérieux? Tu rigoles là? Il le fera pas. C'est une blague. Impossible. Tout sauf ça. Il y arrivera pas. T'es sûr? Oh, c'est pas vrai. Oh, il l'a éliminé. Sérieux? Waouh. Nico, t'as son sang c'est sur chaud. Tes mains. J'y crois pas. T'es sérieux, Nico? C'est un truc de fou. Il reste encore 8 biscuits parapluies à distribuer. Je vais le donner à Michael. Pourquoi il te l'a donné à toi? Je lui ai demandé. J'ai confiance. Ok. Je prends le parapluie. Merci, je me sacrifie. Tu lui donnes celui-là? Fédé. J'y crois. Bonne chance. Oh non, il va te filer le parapluie. Ah, pas de chance. Tu vas réussir, mec, t'inquiète. Ici, c'est Lexi qui a le parapluie. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de Français, les gars. Je suis confiant. Le monde est cruel. Oh, il a la haine. T'es sérieux? Je crois en toi, Pokémon. Tu vas réussir. C'est ton moment. Tu vas y arriver. Montre à tout le monde qu'ici, c'est toi la meilleure. Les gars, il faut lécher. Lancez le chrono. Vraiment léché, je crois. Pour enlever le sucre. Ou je sais plus quoi. J'ai vu ça dans Squid Game. Si vous n'arrivez pas à découper la forme, vous serez éliminé.
Je pensais qu'en tant que capitaine, c'était moi qui allais faire le défi. Alors qu'au final, je suis immunisé sans rien faire et je punis mon équipe. J'ai eu le triangle. C'est super bon. Prends ton temps. C'est long, 10 minutes. C'est aussi ce que je me suis dit. Même s'il a fallu moins de 5 minutes avant que ceci arrive. Ouais. Allez, sketch. Mais certains ont plus galéré que d'autres. Comme Logan Paul, avec l'étoile, et Pokémon qui avait la forme la plus difficile. Parapluie, ouais. Il s'est cassé en plein milieu. Je suis désolé. Non, Pokémon. Après avoir vu que Pokémon était anéanti, les autres se sont montrés beaucoup plus prudents avec leur parapluie. Plein de bave. Les gars, faites gaffe. Prenez bien votre temps, ok? Mais ceux qui avaient les formes les plus simples avançaient bien plus vite. Riku a terminé l'étoile. J'ai réussi. Oh là là, ils sont trop forts. Ah mais ils sont sérieux. Attendez les gars, je crois. Ouais, ils mettent le nombre d'abonnés. Lui, il a 9 031 000 abonnés. Et l'autre, il a 14 millions. J'ai réussi. Oh là là, ils sont trop forts. Allez les gars, c'est bien. Ça me dégoûte. Regardez la bave quand il va soulever le truc. C'est le biscuit le plus dégueu que j'ai jamais vu. La vie, ma mère. C'est ta faute. J'essaie de gagner $1 million pour les Logang. Ouais, t'as raison. Ouais, mais... c'est bien ça. Bien joué, les gars. Il y a plus de bave que de gâteau. Ouais, je rentre de fou. Ouais, continue comme ça, Sketch. Non. Premier soldat tombé au combat. Non. Ouais, j'ai réussi. Fini. Oh, c'est dégueu. Je te hais, Jimmy. Attends, prends ton temps. Attention. T'inquiète. Voilà, c'est là que ça se complique. Ah, il tremble, les gars. Fragile, ici. Oh merde. Oh non. Non. Tout ça pour ça. Je suis désolé. C'est ta faute. Ça se fait pas, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a trahi. Sketch, t'as confiance? Je lui fais entièrement confiance. Ouais, les gars, faut pas faire confiance. C'est... les gens sont des bâtards. Il a donné toute sa confiance. Il l'a poignardé dans le dos. Biscuit au mec le moins doué de la terre et qui a la pire vue. Je suis désolé. Le deuxième défi a entraîné l'élimination de Colby et Ruggs, Michael Reeves, Fede, aussi. Merci. Lexi et Matt Pat. Oh non. Tu fais tes adieux. Ouais, c'est ça. Même si je repars pas avec le million, je repars avec de belles amitiés. Ça, c'est sûr. Que la retraite commence. Ouais, il vient de prendre sa retraite. On a aussi perdu Gislat, Pokémon et Mastu. Non ! Les gars, Mastu n'a pas un bon coup de langue. Il est sérieux, Mastu ! Fallait lécher, chef ! Non. T'aurais dû demander des conseils à Mixem ou à Amine, mec. T'es sérieux, Mastu ? Non, on a 3 chances. On a plus que 2 chances maintenant de faire top 1. Tu pars à la première épreuve, mon chef. Ah, je suis deg. En plus, il est déjà en train de gérer la gode à côté, lui. J'ai la haine. Et malheureusement, pour finir, Sketch. Oh. Merci d'être venu. Merci à toi. Tu vas lui dire au revoir. Oh. Salut, mec. Par contre, les gars, j'ai trop le seum. On a pas entendu un seul français depuis le début. Vraiment, quoi. T'as bien joué. Salut. 11 personnes ont été éliminées. Encore 34 sont en lice. Bravo. Jimmy, t'es le mec le plus diabolique que je connaisse. Des êtres chers se sont fait éliminer. Je suis content qu'ils soient partis parce que ça signifie que j'ai plus de chance. Maintenant que la sélection naturelle a fait son travail, à moi la victoire. En attendant de préparer le prochain défi, j'ai laissé les 34 youtubeurs restants s'amuser. On n'a qu'à faire un jeu où on essaie de se rapprocher plus près de la ligne. Oh, on peut prendre des bouchons. Eh oui, ce qui divertit le plus vos créateurs préférés, ce sont les bouchons en plastique. Oh. Attendez, regardez. Oula. Ok, et après, je comprends pas. Allez, sans réfléchir. En gros, si le bouchon il sort, il dégage. Je crois que c'est ça. Champion, il l'a fait. C'est les bras. Bon, ça suffit. Pour le troisième défi, j'ai besoin que vous vous mettiez tous par deux. En vrai, dites-vous, là, tous les youtubeurs qui sont là, c'est déjà des boss. Et Mr Beast, cet homme là, c'est le boss des boss, les gars. C'est le youtubeur des youtubeurs. C'est une dinguerie quand même, les gars. Et vous scotchiez les mains. Attention, choisissez bien votre partenaire. J'étais son témoin. Mixem, alors on va continuer avec ensemble. Amine, c'est sûr. Allez, c'est parti. C'est bon, t'es prêt? Ouais, carrément. Super. Allez. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils se sont tous mis avec leurs potes. Ils croient qu'il faut faire équipe. Soyons honnêtes, c'est pas la meilleure stratégie à adopter dans une de mes vidéos. On doit se tenir la main ou pas? Non, inutile. Ah, mais pourquoi faire ça? Explique, non, chef. Non, arrête.
T'es malade. Pourquoi je suis avec lui, moi, il est fou. Maintenant que tout le monde a un partenaire, allumez le sol. Ok. Allez-y, amenez-le. Quelle que soit la personne à laquelle vous êtes scotché, on va vous détacher pour que vous vous affrontiez lors d'une partie de Jenga géant. Oh non, c'est horrible. Je déteste ce jeu. T'inquiète, ça va le faire. Non. S'il te plaît, dis pas qu'ils sont ensemble. T'arrêtes pas de rigoler depuis tout à l'heure. Alors, tu sais quoi? Tu vas commencer. Vas-y. Maintenant qu'ils ne sont plus liés, voyons voir qui va partir. Ah oui, c'est le truc géant, là. C'est là que ça tombe à la première. Ok. Il a pas fini tant qu'il a c'est pas mis incroyable. Le bloc en haut. Le but avec ce Jenga géant, c'était de faire une version beaucoup plus extrême du jeu. Mais la tour devenait tellement haute qu'il n'arrivait même plus à atteindre le sommet. C'est l'échelle la plus bancale que j'ai jamais vue. Et comme le haut devenait de moins en moins accessible, nos deux amis allaient finir par être à court de coups. Je réalise que c'est peut-être mon dernier coup. C'était le tout dernier bloc qui pouvait être retiré. JJ, t'as pas eu de chance sur ce coup. C'est comme ça. C'était un plaisir. Non, JJ, attends. Non. Wow. Non. Pourquoi? C'est sadique ce que t'as fait. Une heure et demie de Jenga pour ça. Ah oh, c'est un bâtard. Oh. Alors il est maléfique, l'antagoniste. Banni dehors, c'est n'importe quoi. Écoutez, on va procéder à un vote. D'après vous, est-ce que c'était juste? Non. Allez à droite si vous pensez que ça l'était, et à gauche si vous n'êtes pas d'accord. Il devrait y avoir plus de personnes là-bas. C'est pas juste du tout. Ça se fait pas. Non. Ouais, pas les gars, ils pouvaient rien faire, ils étaient deux fois sa taille. Va parler. Avec retour, le départ bah, oui, le gars. Et le retour d'AJ, ils ne sont plus que 30. Les gars, ils faisaient au moins 150 kilos, il en fait 40. Ouais, enfin, c'est le jeu. Moi aussi, je vais... Non, mais ça va pas. C'est le jeu, mec, j'ai le droit. Non. Team Prime, on va gagner. Logan, je crois en toi. Comme la première partie a duré des heures et que je peux pas garder ces youtubeurs en otage éternellement, on passe à la version classique. Ouais, logique. J'ai merdé. Retirez le premier bloc. C'est parti. Ok. Dès que les parties se sont lancées, le rythme s'est vite accéléré et la compétition s'est rapidement installée. Ah, j'ai même pas vu... les Français, on les voit même pas, les gars. C'est malade. Ah putain, non, les deux hubs, ils sont ensemble. Non. C'était sûr. Oh, incroyable. Tu te moques de moi. Un événement inattendu s'est alors produit. Ah, mais quoi? Nico a une super idée de vidéo s'il gagne, donc j'ai vraiment envie qu'il aille le plus loin possible. Pour ce troisième défi, plusieurs youtubeurs se sont malencontreusement associés avec leurs plus proches alliés, ce qui fait que... C'était mon témoin, il a fait 27 heures d'avion pour venir ici. Certains d'entre eux étaient prêts à se sacrifier droit pour au leurs bec, amis. Les gars, droit au cœur. J'ai pleuré. C'est dingue. On est comme ça en Angleterre, on se sacrifie. On est altruiste. Faut savoir les laisser ça, aller au beau bout. Gosse, les gars. Les laisser ça gagner. Me fait des frissons, à ce stade, c'est les tours étaient devenues si grandes. Elles peuvent pas tirer sur les deux premières. Oh, oh que le moindre petit souffle dans leur direction pouvait c'est les ciao. Faire s'effondrer. Pour c'est le ciao. Plus grand malheur des abonnés et c'est de leur ciao. Créateur. Non, c'est ciao. J'y étais pas du tout. C'est impossible. Oh c'était cool. C'est fini pour moi. Le Jenga a eu raison de moi. Oh, oh. Et élimination après élimination. Bien joué. Après élimination, les gars. On arrive enfin à la fin de ce défi. Ok. Oh en plein dans la lèvre. Je fais ça pour mes fans. Il reste plus qu'un seul coup. Ouais, vas-y, tire. Ah, c'est sûr. Tu sais qu'il a fait tout ce chemin depuis l'Inde et toi, tu l'élimines comme ça. C'était vraiment génial. T'es triste qu'on ait détrôné T-Series? Non, peu importe qui détrône qui, c'est pour la commu. Tout ce qu'il faut, c'est que le premier soit respecté. Exact. Je te suis depuis 2014. Les gars, T-Series, c'était des Indiens? Ah bon, je savais pas, je pensais que c'était des Américains encore. C'est quoi? Je suis trop content. J'aurais aimé que tu gagnes. La dernière tour, encore debout, a réuni les deux plus gros compétiteurs de ce défi. Vas-y, tire. Okay. La partie de ces deux-là a duré 2 heures de plus que tous les autres youtubeurs. Wesh. C'est un truc de fou. Oh. Oh. C'est pas possible. Tu vas y arriver, mec. Non, il dégage. Non. GG, GG bonnet. Le troisième défi est officiellement terminé. GG au mec au bonnet, les gars. Apportez les lits. Maintenant que tout le monde a un lit, je Amine vous dis à demain matin éliminé. Pour le quatrième défi. Éliminé, les gars, ils voilà se mettent contre Amixem. Les 24, près d'une vingtaine de youtubeurs dorment tranquillement à côté d'1 million de dollars. Et à la fin de cette vidéo, qui sait,
ils seront peut-être à bout. Hey yo! Salut les Logang! J'espère que vous allez bien. Vous pensez bien. Les gars, ils dorment vraiment là-bas ou pas? Ou c'est juste pour la vie? Carrément des frissons. Ohio! Ohio! Salut, Ohio, bien, Poco! Ohio! Il est temps de se concentrer et tout donner pour les abonnés. Bonjour! J'ai une surprise pour vous. Il y a nos familles. Encore mieux que vos familles. Oh non. Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, mon ami Speed est l'un des plus gros créateurs du monde entier. Il était censé arriver ici comme tout le monde il y a plus de 24 heures. Écoutez, il a eu quelques soucis d'avion. C'est pour ça qu'il est en retard. Je voulais vous offrir, si vous l'acceptez, la possibilité de jouer aux côtés de l'un de vos collègues créateurs, à moins peut-être que vous préfériez qu'il retourne dans son avion. C'est à vous de décider. Ouais. Dans ce groupe, on privilégie l'inclusion et... Non, clairement pas. Non, vous l'acceptez. Je vais m'énerver. Il a pas connu la souffrance du Jenga. Il a pas souffert. C'est vrai. Hein. Et l'autre avec son mulet, là. Il est déjà c'est en quoi, train d'aboyer. Il est temps de faire un choix. Si vous êtes pour, allez à gauche. Si vous êtes contre, allez à droite. On le fait ensemble. Oh. Retourne dans ton avion. Je vous avoue que je comprends pas trop ce qui se passe, là. Bon, c'est officiel. Speed, ils veulent pas de toi. Ok. Vous allez le revoir, vous inquiétez pas. Tous ceux qui voulaient pas de moi, je vous retiens. J'aurais dû y penser. On est mort. Et maintenant, place au quatrième défi. C'est encore Speed? Oh non. Allez-y. Les gars, pour ceux qui connaissent pas Speed, je vous fais un résumé de Speed. Torse poil, crazy dans sa tête et... Voilà, c'est Speed, les gars. À prendre ou à laisser. Ouais, les gars. C'est ça qui faisait le chien en mode. A très rapidement compris de quel défi il s'agissait. Tu crois qu'il y a quoi dans ces valises? Ah oui, et par juste écrit éliminé. CR7, Cristiano Ronaldo, les gars. C'est au vu du succès fou qu'on a eu lorsqu'on a joué à ce jeu dans l'une de mes dernières vidéos. Je me devais non seulement de le refaire, mais également de faire revenir celui qui le présente. Ah oui, ok, là c'est en gros, il y a une valise. Vous ouvrez la valise. S'il y a marqué que vous restez. S'il y a marqué tu dégages, tu dégages. Jimmy, ça faisait longtemps. Waouh, c'est comme si je scrollais en direct. Ouais. J'aimerais que la personne qui a le plus d'abonnés me rejoigne. Qui en a le plus? Pas moi, c'est sûr. Logan, je crois bien que c'est toi. Avant que j'explique les règles, tu dois choisir un adversaire. Sam, ce sera toi. Parfait. Maintenant, choisis une valise. N'importe moi, laquelle. Je prends la 14 parce que c'est le jour où je suis né, les gars. 7 d'entre elles sont des valises éliminatoires. Les 10 autres sont gagnantes. Logan va regarder discrètement à l'intérieur de cette valise. Puis Sam va ensuite devoir décider soit de la lui voler, soit de la lui laisser. Bienvenue dans « Apprendre ou à laisser ». J'adore, il est dans son élément. Il l'a dit. Il marche cette valise bille, les gars. Est éliminatoire. Ah, c'est chaud. Est-ce que tu crois qu'il dit la vérité? Je pense pas. Je l'aurais prise. Ah oui? Tu lui prends ou tu lui laisses? Je vais lui prendre. Ok, oh, tu veux lui prendre. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Quel coup! J'y crois pas! Je peux pas savoir. Désolé, les gars. Sam. Vous pouvez pas la savoir, chaîne Sam & Colby est officiellement éliminée. Il pouvait pas savoir, maintenant c'est vraiment de la chance. Maintenant que la valise de Logan a été volée, il continuera à jouer jusqu'à ce que quelqu'un choisisse de la lui laisser. Bon, qui est-ce que tu veux affronter? Kai. Kai, à ton tour! Et quel numéro choisis-tu? 7, mon deuxième numéro fétiche. J'aime bien le 7 aussi, les gars. Moi, c'est 7 et 14. Personne ne voit. Kai, regarde-moi. C'est éliminatoire. Éliminatoire. Tu crois qu'il est honnête? Je vais l'apprendre et je vais te dire pourquoi. Pourtant, il lui a rien demandé. Je regarde les vidéos de Logan depuis ses débuts sur YouTube. Okay. Je sais prévoir comment il se comporte. Je te fais pas confiance, mon pote. Allez, t'es vraiment confiant. Comment ça s'ouvre, ce truc? Attends, il faut que tu... Cette valise... Et gagnante! Il a vu clair dans le jeu de Logan! Oh, il avait raison! Wow. La vache, j'ai le cœur qui bat sans l'heure là. Ludwig! C'est moi que tu veux! C'est toi que je veux. Pour ce tour, Logan! Bah, du coup, en gros, Logan Paul, il peut pas être. Tej, on est d'accord? Ah si, en fait, aussi. Ok, ok. En fait, si on dit, s'il lui laisse une valise safe, il survit du coup, je crois, si je dis pas de bêtises. Battez la chamade, tu veux bien mettre cette Samsung Galaxy Ring? Avec plaisir. Je veux mesurer ton pot. Oh non! Elodie, ouais. Tu veux bien enfiler celle-là? Pas de problème. On aura les infos en temps réel. Vous avez bien compris. On va suivre le rythme cardiaque des candidats avec le Samsung Galaxy Z Flip 6 pendant qu'ils misent tout sur le bloc. Okay. Logan, t'as un pouls de 106 pour l'instant. Ludwig est à 87. Peu importe ce que je vois dans cette valise, je vais te demander si je peux la garder. Ludwig commence à stresser un peu. Quoi? Ça m'a pas mis bien qu'il commence à me parler de la garder. La meilleure stratégie, c'est de lui laisser la valise. L'enjeu est trop grand. J'ai même pas vu.
Je peux la garder ? Qu'est-ce que tu ressens ? Que te dit ton cœur pour l'instant ? Bonne question, Carl, ça dit quoi ? Ouais, ton cœur est en train de s'emballer. J'ai un pouls de sang. Ça va aller, le prochain mot que tu vas prononcer pourrait changer la vie d'un de tes abonnés. $1 million. Il est pas. Il fait son truc. C'est à prendre ou à laisser. Alors ? Je laisse. Logan Paul est donc... sauvé ! Je suis prêt. En vrai, les gars, Logan Paul, ça me va qu'il... Je sais pas, je suis chaud pour qu'il gagne. Bizarrement, je suis chaud. Je sais pas. Laquelle je sais, la numéro 14. Pas besoin de l'ouvrir, je la veux. Je vais la prendre. J'ai fait un voyage de 27 heures pour être ici. Et je veux voir s'il a fait toute cette route pour rien. 14. Putain, mon chiffre fétiche, il dégage. Oh non, après, je l'ai senti. J'ai dit, il dégage. Donc, ça veut dire que j'avais un bon pressentiment. Y'a pas moyen, non, c'est pas vrai. Elle devait te porter bonheur. Sors des billets, c'est pas pour toi, mon chef. Allez, sors. Partir les valises perdantes. 27 heures, ça me brise le cœur de repartir. Mais y'a des billets. Pas de manger sur un kangourou. Hein. Oh le bâtard! Il a rempli sa veste de billets. Oh le malin. Je te déteste, Nolan. Oh le malin. L'ouverture des valises suivantes n'a épargné personne non plus. Ok. Oh non! Tout ça pour ça! Et l'élimination la plus brutale allait vite arriver. Non! J'y crois pas! Fait mal, je dois le dire. C'est une dinguerie. Viens. Je veux pas mentir. Oh gars, c'est Anissem. On s'en bat les couilles, c'est fini ça. L'honneur aux femmes ou je sais pas quoi. Anissem, on s'en bat les couilles. Prends la valise. Tu veux pas la regarder pendant qu'elle l'ouvre? C'est ça vraiment ou pas? Attendez. Tu veux pas la regarder pendant qu'elle l'ouvre? C'est vrai, moi je crois. C'est parti. Elle est éliminatoire. Je peux pas le regarder, c'est affreux. Je pense qu'elle est en train de jouer un rôle. La comédie. À prendre ou à laisser. Prends. Elle a le sourire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui! T'as le seum! Oh les gars, je me suis retenu de crier parce que là... Regardez-moi cette tête de vicieuse, elle a trop la haine. En plus, il lui a pris la bonne valise. Elle a fait genre qu'il s'est fait douiller jusqu'au bout. Oh la pute. Oh là, le coup de poker, son pouls est monté jusqu'à 152. Oh. Quoi? C'est un démon. Même si Valkyrie était déçue qu'on lui ait menti, elle a pas hésité à bluffer aussi. Il reste encore deux valises éliminatoires et trois gagnantes. Elle a donc une nouvelle occasion de jouer de ses talents d'actrice. Je suis choquée par ce que je viens de voir. C'était dingue. On peut plus faire confiance à personne. T'as l'air inquiet. Elle était à deux doigts de pleurer au tour d'avant. Et maintenant, elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Wesh. Les gars, c'est un démon, la meuf. Elle change de... Vous avez vu son sourire maléfique, là? Quoi? T'as elle une valise à prendre ou à laisser? Je vais choisir de la prendre. Je laisse le public réagir. 3, 2, 1... Dégage. Il reste... Oh, trop bien! Elle est douée! Vous êtes plus que 4 en lice et il reste seulement 2 valises gagnantes et 2 valises éliminatoires. 50-50. Je me lance. Pendant qu'elle attrape une valise, Marques, qu'est-ce que tu penses du Samsung Galaxy Z Flip 6? Quel hasard que tu me choisisses. Claire, t'as donné l'impression de vite vouloir te débarrasser d'une valise gagnante et je crois pas que tu le ferais 3 fois d'affilée. Je laisse. T'as vu Claire dans mon jeu? Il reste plus qu'une seule valise éliminatoire. C'est toi mon capitaine, alors je te fais confiance. C'est l'éliminatoire. S'il se faisait confiance, il lui montrerait la valise. Je crois pas qu'il dise la vérité. À prendre ou à laisser. Non. Ok, je laisse. S'il est écrit éliminé, chacun prendra un chemin. Ok les gars, en gros il a dit non, c'est pas la bonne, c'est un truc éliminatoire. On va voir s'il a qu'une parole. Différent. Peut-on faire vrai confiance? Non. Il est incapable de mentir. Et voilà les deux valises restantes. Vous pouvez les ouvrir. Les deux sont gagnantes. Ok. Après ce bain de sang, il nous reste 10 candidats encore en lice. Et seul l'un d'entre eux peut faire remporter le prix $1 million à ses abonnés. Je me sens pas bien. Ouais. Je vais pas y arriver. J'arrive à peine à bouger. C'est là que la partie se complique vraiment parce qu'on va devoir éliminer ceux à qui on s'est attaché. C'est nul. Plus que 10, les gars. Il est maintenant temps de commencer notre cinquième défi. Changement de décor. Vous voyez 5 paires de points lumineux. Une fois de plus, je vais vous demander de former des groupes de 2. Non mais c'est trop triste les gars, il me fait trop de la peine. Paires de points lumineux. Une fois regardez de plus. Regardez ces bâtards, Amixem il est tout seul. Ils sont ensemble. Amixem il est tout seul. Je vais vous demander. Regardez là, regardez wesh. C'est pas normal. Regardez, ça c'est raciste les gars. C'est raciste. Pourquoi il y a Chospeed qui est là? C'est raciste les gars, regardez Amixem il est tout seul. Voilà, ça me brise le cœur. De former des groupes de 2. Et cette fois-ci, vous allez travailler en équipe. Ah non, c'est pas je prends le risque. Réfléchissez bien, alliez-vous. Équipe, ça marche.
Kai, tu lui fais confiance pour 1 million ? C'est mon frère, j'ai confiance aussi. Pourquoi cette alliance ? La solidarité féminine. Ouais, c'est sûr. Vous entendez bien ? Ouais, tous mes amis sont éliminés et ils parlent français. Karl, tu peux leur bander les yeux ? Incroyable. On se revoit bientôt. À plus. Je vois que dalle. Maintenant qu'ils ont tous les yeux bandés, vous pouvez apporter le décor. Mon pote. Ils sont en train de changer toute la pièce. Quand je me penche sur ma gauche, je sens quelque chose de dur. Qu'est-ce que ça va être à votre avis ? Je sens une odeur. Quand je me penche sur la gauche, je sens quelque chose de dur. Je peux t'assurer, c'est... Ouais. C'est pas ce que tu crois, mon chef. Et là, je sens un truc en tissu. Ouais. Jimmy, c'est un tablier. Allez, arrête de tout toucher. Je répondais à ta question. Ok. Il est trop fort, le... Tenez-vous prêt. Vous pouvez retirer vos bandeaux. Non ! J'y crois pas ! Vous l'aurez compris, notre prochain défi va être... Les femmes apportent avantagées. Compétition de cuisine en binôme. Ah, ça y est, je suis mort. Les meufs vont me tuer, ça y est, je suis fini. T'es dans la poche, mon pote, tu vas gérer. Je me suis mis à battre tous les féministes. Ça va être une catastrophe. Je rigole, je rigole. Mec, comment t'as convaincu Nick ? Il a fait l'équipe. T'as eu du bol ? Je suis cuit. Ah, il s'est cuisiné. Bien cuire ? Non, moi, je suis cuit. Oh, il est cuit. Avec ce défi. Je sais rien cuisiner à part les œufs, le pain grillé et les céréales. On a déjà cuisiné ensemble. Ouais, c'est vrai, on a déjà cuisiné ensemble. Vous avez une expérience. On était nuls. Super nuls. Il suffit d'être bon cette fois. On va faire venir un panel de 3 juges. Ils noteront toutes vos créations sur une échelle de 1 à 10. Okay. Les 3 équipes qui obtiennent les plus hauts scores seront qualifiées. Les 2 équipes au score les plus faibles seront éliminées. Okay. Faites entrer notre premier juge, Joey Chestnut. C'est pas vrai ? C'est Joey ? Qui de mieux pour juger vos plats que le plus grand mangeur de compétition au monde ? Il a battu tellement de records que le Guinness Book a reconnu son record de record battu. Le meilleur. Maintenant, on accueille notre deuxième juge, Miranda Cosgrove. Mais non, c'est pas vrai ! Carly. Je vais péter un plomb ! Kai et Fan, on dirait. Oh, je suis trop content, mec. Notre troisième et dernier juge... Faites-le venir, j'ai même pas besoin de le présenter, c'est Aisha Speed. C'est pas vrai, on est foutu. Faites attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Le chrono est officiellement lancé. Vous pouvez préparer tous les plats que vous voulez. En vrai, les gars, j'ai un peu le seum que Aisha Speed soit pas dans la compétition parce que je kiffe Aisha Speed. En plus de ça, leurs créations seront évaluées sur des critères de goût, de créativité et de présentation. La course est lancée, voyons ce qu'ils vont nous mijoter. Dans iCarly, son grand frère Spencer qui fait les espèces de tacos au spaghetti. On lui fait des tacos au spaghetti, mec. Qu'est-ce que vous préparez ? On est parti sur un cordon bleu. C'est un plat français. Ouais, pas bête. Et ici, on fait quoi ? Un gâteau au chocolat, des macaronis au fromage. Ça pique. J'essaie de faire une tortilla, et lui, il prépare un riz cantonais. On a voulu mettre nos deux cultures en opposition. Ça donne ? Une guerre ? Une guerre dans leur bouche. La vache, ça a déjà l'air trop bon. C'est juste des oignons et quelques épices. Cet homme a été chaperonné par Gordon Ramsay lui-même. On va pas se mentir, L'avantage de fou, les gars. Ouais, c'est une dinguerie, par contre. Sûr d'aller en finale. Ça va être gênant si les deux seules filles sont éliminées sur l'épreuve de cuisine. Non, parce que les femmes ne font pas que ça. Pour le C'est pas comme si, il y a 5 minutes, j'ai dit exactement le cliché du plus grand connard. Dessert, on prépare des fraises enrobées de chocolat. J'ai faim, j'ai hâte de manger. Tenez-vous prêts à poser les ustensiles. Ok, allez, s'il te plaît. Ok, elle est belle. Joey kiffe le fromage. Yo, faut tenir les sandwichs, mec. C'est $1 million qui est en jeu pour ces équipes. 3, 2, 1, c'est fini, arrêtez tout. Le chrono est terminé, on va commencer par vous. Ce soir, on a décidé de vous faire déguster un cordon bleu. Amixem, allez. Allez, les gars. Oh, je me régale. Les asperges sont très belles. Quand vous voulez. Je commence. C'est pas délicieux. 9 sur 10. Yes. Une très belle note. Vous obtenez un score global de 26 points. C'est impossible qu'il dégage. C'est impossible. S'il dégage, je me coupe la bite maintenant. Voilà, j'ai les termes, j'en ai rien. On a voulu faire un menu américain et réconfortant. Je veux pas trop vous hyper avant d'avoir goûté. Je pense que ça va être bon. Ils ont un plat et un dessert, les gars, on est mort. Le fromage est super bon. Joey, quand vous voulez. Non, c'est délicieux. Joey, je les adore. Vu ta réaction, je suppose que tu leur as donné une note plus basse. 5. Miranda, toi d'abord. 5. 9. Génial, merci. Tu vas pleurer. Tu vas pas me faire ça, quand pas même. Pas de manipulation. Oh, pitié. Speed, tu juges uniquement leur plat. Tourne-leur le dos. Speed, allez. Allez, concentre-toi. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous obtenez aussi un score global de 26. Ok. T'es un malade avec ton 10. Tu peux pas...
distribuer des 10 parce que... J'avoue, le mec, il a mis un 10 comme ça. Ça y est, regardez son regard de coquin, là. Il veut juste pêcher au lit de go, ça y est, ça se voit. Pourquoi il regarde vers le bas comme ça, là? Angie, un pervers, là. Joli lancé. Voilà. Bienvenue dans la version Kaiaged. Ratatouille. Passons à table. Tout spécialement pour Miranda. Oh yeah. On a le célébrissime, le seul, l'unique, tacos au spaghetti. Wow. Ok. C'est génial, j'avoue. Que pour elle? AJ, on a qui au milieu? Ça donne pas envie, les gars, par contre. I show speed. Dis-moi, qui est le meilleur joueur de foot de tous les temps, d'après toi? Cristiano Ronaldo. Les pattes, Ronaldo. Rien que pour... toi, mec, recule. Écoute-moi. Oh, lui, on dit pas trop. Le meilleur pour la fin. Fais péter. Je fais péter. La tour des records. La tour des records. En la mangeant. Ouais. Vous sentez le record être battu. Je crois pas, les gars, je crois pas que je vais finir. Non, ça fait rien. Speed, t'as faim, tu viens de finir ton stream. Tu manges goulûment, ça se voit. Mec, c'est un régal, attends, mec. Attends, oh, t'es sérieux? Les pâtes, les gars, les pâtes, c'est... Bien. Les gars, les pâtes avec de la sauce tomate, c'est juste un classique, donc c'est pas un banger, ils vont perdre, ils vont se rendre ciao. Commence par là. C'est un bon taco sauce spaghetti. J'ai adoré votre show, okay. Mais aujourd'hui... C'est la bouffe qui compte. Ok, ouais, 3. Ouais, ouais. 2, 7, 7, 7, 1, je pense. Montrez vos scores. Même pas 5. Waouh. Et voilà, vous pouvez débarrasser. On a préparé des pâtes crémeuses au poulet et à la tomate. C'est un dessert qui m'a été inspiré par mon père, qui n'est pas parmi nous. Dans cette pièce, je veux dire, hein, il est bien vivant. Oh, t'es un enfoiré. C'est vraiment exquis. Tu trouves pas? C'est comme si le citron me frappait. Et la viande me frappait ensuite. Je veux pas très te manger. Bon. Ouais, et voilà pour moi. Les gars, c'est un banker ce qu'ils ont fait. Franchement, les fraises au Feastables sont super bonnes. C'est super bon, ouais. Ouais, si vous regardez ça, courez acheter les Feastables. J'y vais juste après ça. J'en aurais mangé plus. Ok, ils ont fait des fraises avec le... Ils ont fait fondre le gâteau de Mr Beast qui est au chocolat et ils en ont enrobé avec. Les gars, je suis un peu cuisinier, effectivement. Je me connais un peu dans la cuisine, vous savez. J'ai beaucoup aimé. J'en commanderai au restaurant. Speed, je veux pas te couper, mais on est officiellement au-dessus de 16. Qui veut dire que ces deux-là sont maintenant éliminés. Messieurs, 9, 10, 10, Miranda 9. N'a même pas besoin de voter, vous êtes éliminés. Au revoir. Je suis désolé, mais c'est terminé pour vous. Tu leur avais mis combien? 10. 10. Ouais. 10. Oh, wow. Une note totale quasi parfaite. Par contre, en attends, vrai... Attends-moi, mec. Laisse-moi une assiette, juste, s'il mais... te plaît. Attends, tu viens de sortir? Je... Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as foutu? C'est scripté, les gars. Oulak, c'est scripté, les gars. Jamais tu... Non. Non! J'ai pas pu résister à l'envie de jeter une assiette. C'était une grosse connerie. J'ai complètement oublié. En fait, je sais pas si c'est scripté. Quand on regarde les yeux d'Amixem, j'ai pas l'impression que c'est scripté. J'ai pas pu résister à l'envie de jeter une assiette. C'était une grosse connerie. J'ai complètement oublié la limite. Mais j'ai oui. vu cette assiette et j'ai voulu la casser. Ça m'a ramené en 2017. Ouais, quand tu cassais des assiettes dans tes vlogs. C'est pas ça, non! Tu te sentirais mieux si je te laisse faire la pub de Prime? Ouais, vas-y. Prime, la boisson à la popularité la plus forte de l'histoire, disponible chez Walmart. Ah, je suis choqué, mais pas étonné. J'espère qu'il me réinvitera. Au début, j'ai trouvé ça super marrant. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'avec la cuisine dans le cube, on... Il est encore choqué. C'est bon, ouais, c'est Mixem, tout le monde est passé à autre chose, là. Oublie qu'on est dans le cube. Ouais. Du coup, je peux comprendre ce qui s'est passé. Avec cette table ici aussi. C'est vraiment différent. Ouais, cette configuration est folle. Et maintenant, pour le dernier plat. Et voilà une tortilla traditionnelle. Quoi, il y a encore un plat? Pas mal. Ouais. Vous avez décidé de la note? Ouais. 3. Ouais, je pense 2, qu'il passe encore. 1. Montrez les notes. Ah non, il dégage. D'accord. Il dégage, d'accord. Il dégage. Désolé. D'accord, pas grave. Ça fait un total de 22, ce qui signifie donc que vous êtes tous les deux éliminés. Ok. D'accord. Ça va. C'était un honneur. Il ne reste plus que 5 candidats. Félicitations. L'un d'entre vous gagnera $1 million pour ses abonnés. Ça va être la folie. Avec $1 million, je vais organiser un défi qui s'appelle Trouvez-moi et gagner un tas d'argent. Avec une grande partie de cet argent, je distribuerai plein de repas. On va organiser des compétitions d'échecs super chouettes pour nos abonnés. Avec tout cet argent, j'aimerais vraiment pouvoir payer les études d'art de plein de gens. J'aimerais bien
Construire des écoles dans le sud du Maroc, ça permettrait de changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Ah, l'association, je sais plus quoi, à chaque fois il fait sa truc, il est le parrain. J'ai oublié, mais on connaît tous les gars, on connaît tous. Vous êtes les 5 derniers. C'est bon ça. Quand on a commencé, voici à quoi ressemblait le cube. Et maintenant, vous tenez tous les 5 sur le tas d'argent. Avant de relever le dernier défi, regardez tous par ici. Ouvrez les rideaux. Ce sont de vrais trophées des créateurs fabriqués par YouTube. Ouais. Le gagnant, quel qu'il soit, se verra remettre tous les trophées de tous les participants à ce tournoi. La vie de ta mère. Non mais là, genre là, il y a beaucoup d'argent là. Non mais je crois que ça, je sais même pas combien ça vaut les gars, là, il y a beaucoup d'argent là. Quoi? Oh, wow, c'est dingue. C'est comme collectionner les têtes des gens qu'on a tués. Ouais, exactement. Très bien. Faites entrer le dernier défi. Oh, j'aurais trop aimé avoir ça les gars, c'est trop stylé. Au début de chaque manche, tout le monde commencera les yeux bandés pendant que je mélangerai ces 5 valises. Ok. 4 de ces valises ne contiennent rien. L'une d'entre elles contient un chèque $1,000,000. Enlevez vos bandeaux. Venez prendre une valise et ramenez-la à votre pupitre. Très bien. Amixem, il a laissé faire le destin. Vous avez vu, il n'a pas pris de valise. Il a laissé tout le monde prendre ce qu'il voulait. Maintenant, vous pouvez tous regarder dans votre valise. Maintenant que tout le monde sait ce qu'il a... Chacun va désormais voter pour éliminer un joueur du jeu. Si la valise de ce joueur est vide, il est éliminé. Ok. S'il vote contre le joueur qui a l'argent, le jeu est terminé et le YouTuber repart avec $1,000,000 pour ses abonnés. Ils ont mis sur Amixem, c'est le destin les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un jeu de bluff et de capacité à inter... Oh putain, non, la tête de la meuf là, $1,000,000 pour ses abonnés. Elle est trop sérieuse là. Elle a la thune. C'est un jeu de bluff et de thune, capacité à interpréter. Lui, il a pas la thune, ça se voit, c'est peut-être il a pas la thune. Il cherche qui a la thune. Pression des. Regardez là, ça veut tout dire, il a pas la tête, il a pas la thune. Et lui, il cherche aussi, c'est la meuf. Ah, elle, l'autre meuf là aussi peut-être, mais elle avait vraiment une tête de. Lancez le chronomètre. L'un d'entre vous peut gagner $1,000,000 dans les prochaines minutes. Direct, je pense que c'est l'une de ces deux-là. Ouais. Les deux nanas? Oui. Ouais, ouais, je suis d'accord. Quoi? Vos expressions faciales. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est elle. Il est pour un moi. Peu agressif, non? Il prend les choses en main. Est-ce qu'il fait ça parce qu'il a $0 et qu'il a peur d'être éliminé? C'est possible. C'est méga tendu. Franchement, je pense qu'elle a le million. Pour l'instant. C'est elle qui est la plus confiante. C'est elle ou elle? C'est sûr, les gars, je suis sûr. Mais elle essaye de le masquer. Elle a le million. Pareil pour toi. Tu l'as? J'ai le million. Donc, tu dis que tu as $1,000,000. J'ai $1,000,000. D'accord. Bah, il foutait les mecs, du coup, non? Je suis persuadé que c'est pas le cas. Non, pour moi, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je sais qu'elle a zéro et qu'elle veut rester plus longtemps. Tu penses que sa valise ne contient rien et qu'elle ment pour pas que tu votes contre elle? Elle veut s'assurer de rester dans le jeu une manche de plus, mais elle a pas $1,000,000. Non, elle a pas. Il reste moins de 5 minutes pour vous décider. C'est la meuf avec les tatouages, les gars. Si je ne savais pas ce que tout le monde avait, je dirais qu'il vaudrait mieux voter par alliance. On était des coéquipiers, tous les 4. Sale bâtard. Tu vas voter le français? Tout le monde avait. Espèce de raciste! Qu'il vaudrait mieux voter par alliance. Regardez! Elle fait comme ça, 1, 2, 3, 4. Pourquoi elle est exclue, hein? Parce qu'elle est française, espèce de raciste. On était des coéquipiers, tous les 4. Toi, ton coéquipier s'est enfui. Le plus simple serait donc de voter Nick pour avoir plus de chance. Si non, je j'ai rien dit en fait, c'est moi le raciste. Mais t'en as, alors tu veux voter contre qui? Je retire ce que j'ai dit. Contre toi. J'aimerais gagner. Moi, ça me va de voter contre Alex. Je sais très bien qu'elle a pas le million. C'est culotté. Tout c'est le monde Alex ici a été très calme. Ok, c'est elle. Alex, c'est la meuf alors qui alors je vais jouer le jeu. Et je sais qu'elle a menti. J'ai le million. Elle a clairement pas le million. Si j'ai menti pour cette manche. Alors quelqu'un d'autre a menti aussi, non? C'est elle. Elle a le million. Regardez sa tête. Ah, ça me fout la haine. C'est elle, 100%. Ouais. C'est pas caché. Mais je sais que t'as menti. C'est pas un peu risqué pour une première partie? Il faut prendre des risques pour gagner un million. Si ton intuition est mauvaise, alors elle gagne. C'est l'autre meuf, 100%, les gars. Allez, je maintenant, suis vous devez écrire contre qui vous votez. C'est l'autre meuf, les gars. Très bien. On va voir contre qui vous avez voté. Le premier vote est contre Jayden. J'ai rien fait. À côté de la plaque. C'était surprenant. C'est elle qui a voté ça. Le deuxième vote... C'est elle ou alors c'est elle-même qui a voté contre elle-même. Est destinée à Ludwig. Ça, c'est la meuf qui a la haine. Alex, du coup. Le troisième vote est contre Amixem.
Mais wesh, les gars, vous avez fait quoi là? Le quatrième vote est contre Jayden. Elle a gagné. Elle a gagné. Mec, j'ai pas... Et le dernier vote... Elle a gagné! Et contre Ludwig. Oh la putain, la vache, égalité. Ok, comment ça se passe? Oh. Donc, à égalité. Ok. Puisqu'il y a égalité, on ajoute une minute au chronomètre. Il faut choisir entre les deux. Vous allez devoir plaider votre cause, puis tous les trois, vous allez revoter. Expliquez-leur pourquoi ils doivent voter ou pas contre vous. Je pensais pas que j'aurais des votes. T'aurais voté pour toi-même si t'avais eu 1 million. Bah oui. Je pense que c'est ce que t'as fait. Oui. Non. Alors ça veut dire que Ludwig a voté pour lui-même. C'est lui qui a 1 million. Tu crois que j'ai voté qui? Je pense que t'as voté contre... lui. J'ai voté contre Ludwig. Ouais, moi aussi. J'ai voté pour Jayden. Jayden, t'as voté contre qui? Lui. Contre lui? La question Amixem, se pose pas, il a voté pour la meuf qui a 1 million. Non, Amixem. T'as dit moi aussi. Le temps est maintenant écoulé. Vous devez maintenant tous les trois les départager. Voter pour Ludwig. Le premier vote. Le mec doit dégager contre pas Ludwig. La meuf. Oui. Tu te sens comment? Pour le deuxième? Non, ce que tu ressens pour le premier. Lis le deuxième vote. Je pense que ça va aller. Le deuxième est contre Jayden. Oh, c'est pas vrai, ça craint. Quoi? J'en tremble. La personne qui doit ouvrir sa valise est Ludwig. Ok, c'est bon, c'est bien. Si elle indique 1 million de dollars, la vidéo est terminée. Elle sait que c'est pas elle. S'il y a 0 dollars, on repart pour une manche. Elle sait. C'était un plaisir, les gars. C'était sûr. Tu t'es accroché quand même. Je savais que t'avais bluffé, bien joué. Ludwig est maintenant éliminé et rejoint les autres soldats tombés au combat. Mais du coup, les gars, ça montre que c'est pas la meuf techniquement qui a la valise. Vous savez, Alex ou je sais pas quoi. De visionnage pour regarder la suite de l'épreuve. La deuxième manche commence une fois de plus avec les yeux. Ah, mais c'est remis à zéro. Attendez, on a ensuite mélangé les valises et les joueurs en ont choisi une. Ok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On lance le chronomètre de 10 minutes. Je vais analyser les têtes, les gars. Elle a moins de la voir. Lui, il l'a pas, je pense. Elle. Ah, Mixam, il a peut-être. Jayden, t'as encore eu 1 million? Ah putain, c'est encore elle. C'est encore elle, les gars, c'est le destin, c'est encore elle. C'était toi qui l'avais. Et elle a dit qu'elle avait 0. Tout le monde ment, mais il y a 3 personnes qui ont 0 et qui vont devoir travailler ensemble pour trouver qui a 1 million. Ouais. Il l'a pas, les deux mecs l'ont pas, les gars, c'est encore entre les deux filles. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Du langage corporel? T'es le seul à avoir eu un langage corporel différent. T'étais beaucoup plus agité. Ouais. T'as quelque chose? J'ai une valise. Ah le bâtard. Ça, c'est peut-être une stratégie que tu essaies de mettre en place, ouais, pour m'éliminer. Absolument. Je sais que c'est pas moi, et je pense pas que ce soit toi. Donc le million est ici ou là-bas, selon toi? Ouais, mais je pense surtout que c'est toi. Tu penses qu'il l'a? C'est la première vraie revendication. Tu dis qu'il a la valise d'1 million de dollars. Oui, je pense qu'il a la valise à 1 million de dollars. Bah du coup, en soi, il est safe du coup. Tu votes contre qui? C'est une info précieuse. Si tu votes contre une personne, elle votera contre elle-même. Ça fait 2 votes sur 4. J'ai pas encore décidé. Je sais pas. Pour moi, c'est 50-50 entre vous deux. Je pourrais voter pour toi, ouais. Moi? Ouais, parce que c'est juste une histoire de statistiques, de probabilités. Statistiquement, je devrais pas l'avoir à nouveau. C'est intéressant, ça. Très bien. Ça marche pas comme ça, les statistiques, les gars. Là, ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3, 4. Ça fait 25% chacun, quoi qu'il arrive. Hein. 25, 50, c'est la même chose, les gars. C'est pas parce qu'elle a eu une fois qu'elle aura la moins de chance d'avoir. C'est toujours du 25%, les gars. Ils sont 4. Très bien. C'est toujours pareil, hein. Écrivez le prénom de la personne chez qui vous... C'est pas genre en mode, oh, t'as eu la valise. Oh, bah non, t'as un peu moins de chance que les autres. Non, c'est pareil, les gars. Il y a 4 valises pour 4 personnes. Vous voulez ouvrir la valise? On a tout d'abord un vote contre... Jayden. C'est elle qui a 1 million. Le deuxième vote est contre Alex. Un chacun. Le troisième vote est... Amixem. Également contre Jayden. Elle va gagner. Et le quatrième et dernier vote est contre... C'est la meuf avec tatouage, les gars. Encore. 100%. Jayden. Elle a gagné. Elle a gagné. 100% c'est... Il y a 1 million de dollars, tu remportes immédiatement le jeu. Regardez comment elle sourit, c'est elle. Elle les a, je pense. GG. Oh mon dieu! Oh waouh! T'es hyper calme! J'étais sûr que t'allais partir! T'as gagné, tu te rends compte ou pas? Non, c'était gris, les gars. Comment tu comptes les offrir à tes abonnés? Non. C'est difficile de percer pour les artistes. J'aimerais
J'aimerais permettre à plusieurs d'entre eux d'aller en école d'art. Après, en vrai, les gars, si honnêtement l'argent a fait ce qu'elle dit, ça va. Genre, en vrai, le mieux de l'animation et tout, en vrai, les gars, on peut comprendre, c'est dur et tout. En vrai, ça va. Voilà, Jaden Animations vient de gagner $1 million pour ses abonnés. Les gars, $1 million, elle a gagné. En vrai, les gars, ça va. En vrai, les gars, ça va. Ça casse les couilles quand même. Mais ça va. Mais les gars, j'aurais été là. J'étais un sniper, les gars. J'étais un snipe. J'avais vu. J'étais sûr, les gars. J'étais sûr que c'était elle. Et je pense que la première fois, les gars, c'était elle aussi, je pense. Bah, je sais pas. En tout cas, bah, tout ce que j'ai à dire, les gars, j'ai le seul.